Dieu qui pas fini. Mais heureusement, bon Dieu, vous êtes ressuscité. Vous êtes monté dans le ciel. Vous avez préparé place pour nous. Mais vous avez pour retourner venir chercher nous. Merci, bon papa. Son jour comme ça que vous avez fait, vous passez misère. C'est ça que fait chaque jour, Seigneur, qu'on nous arrive dans le jour, ça y est. Nous toujours venir, Seigneur, pour nous capables. Remercier pour nous bon gloire, pour nous faire l'orange, pour grâce ou fait pour nous aujourd'hui, Seigneur. Merci d'être qu'on sauve nous, ou mettez-nous à part pour nous servir. Matin, Seigneur, nous venons pour nous bâtir gloire, nous venons pour nous faire l'orange, pour nous venons pour nous remercier pour tout ça ou fait pour nous. Nous n'avons pas l'autre pour nous capables de dire si c'est le remerciement. Nous gagnons reconnaissance pour ce qu'on fait pour nous. Nous mettons serviteurs au devant, ou cher Seigneur, capable d'animer service la matin. Hein? On va servir avec lui. Merci pour grâce ou faire. Bon Dieu, mettez serviteurs parmi nous pour diriger nous, pour parler pour vous. Et nous tous, nous mettons tête nous ensemble, Seigneur, pour nous glorifier. Nous mettons prestime devant vous ensemble avec serviteurs qui ont dirigé. Nous mettons, Seigneur, maestro devant vous, éternel cap. Fais son monter devant vous, éternel. Merci pour tout mamio que nous mettez ensemble pour nous barrer gloire matin. Fais que Seigneur, le règne que n'a pas été barrer, s'il vous plaît, papa. Nous connons là pour assister lui et pour nous barrer le règne qui fait, qui parfait, Seigneur, sans mélange. Au consa pour capable recevoir le nom, mais nous, s'il vous plaît, papa. Nous gagnons frère et c'est nous qui venons qui pour rentrer, Seigneur, fait venir en bien pour nous tous capables de mettre tête nous ensemble pour nous bon gloire matin. Tout ça qu'a fait dans le service la matin, tout va contribuer pour gloire. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs et amis, bonjour. Moi, salue dans le nom de Jésus. Et c'est un plaisir pour nous capables de venir dans la présence de bon Dieu, pour nous adorer lui, pour nous célébrer la victoire et la résurrection de notre Seigneur Jésus. À nous, mettez-nous debout pour nous capables de lire dans Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sepulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tous qui étaient arrivés.
Ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil d'honneur aux soldats une forte d'argent en disant, dites ses disciples sont venus de nuit et le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apercevons et nous dirons de peine, les soldats prirent l'argent et survirent les instructions qui leur furent données. Et ce but s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelqu'un eut des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci, nous capables de chita, pendant que nous parlons, continuer. Bye, bon Dieu, gloire, non. Hosanna, béni soit le sauveur de bonheur. Oh,
pral continuer chanter. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Numéro 68. Ressuscité et la prégner au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Si pour ce bon Dieu, tu es cherché dans le ciel, il n'y a pas de personne qui te veut pour te battre un sacrifice nécessaire. Il n'y a pas de ville pour te sauver moi-même avec ou matin. C'est ça que nous, la matin, on a besoin. Amen. Si pour ce bon Dieu, tu es cherché dans le ciel,
si nous sommes capables de chita. Amen, amen. Avec soeur, en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur et toutes amies qui branchent et qui suivent service ensemble avec nous depuis Tabernacle Baptiste de Gozen qui est dans Lauderhill, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous avons raison pour nous là, nous avons raison pour nous célébrer, nous avons raison pour que nous contents ce dimanche spécial qui rappelle nous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dans la tombe là encore, il est levé, sorti. Vivant dans ton bois, il y a une raison pour nous dire gloire à Dieu. Amen. À nous couper fond pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu a au même gloire, honneur, louange, majesté. Ou même qui c'est un Dieu qui sans pareil. Ou même qui c'est un Dieu qui sans rival. Ou même qui c'est un Dieu qui c'est seul ou même qui n'a catégorie parola. Ou même qui c'est un Dieu qui à part. Nous sentons contents pour le privilège que nous gagnons en ce dimanche matin, en ce dimanche spécial, pour que nous capables de retrouver nous en ce lieu, dans le tabernacle baptiste de Gozen, pour unir que nous, unir voix, nous unir pensée nous ensemble pour louer nous, parce que son Dieu qui est digne de louange, ou digne de gloire, ou digne d'honneur, ou digne d'adoration. Et nous sentons contents de ce que vous conservez en nous le souffle de vie. Et au bon opportunité et privilège pour que nous capables de répondre présent dans l'espace pour nous faire louange pour vous. Merci pour Jean ou remen nous, merci pour Jean ou manifester amour envers nous. Ou prouver combien ou remen nous lorsque encore pécheur ou t'es envoyé petit ou Jésus-Christ li vini, li prend chemin calvaire, li aller à la croix, li offrir la vie li en sacrifice pour que tout le monde nous tout qui place confiance nous dans lui, nous capables gagner la vie qui pas jamais fini. Et cher Seigneur Dieu, qui est-ce qui a empêché que nous louions? Qui est-ce qui a empêché que nous exaltions? Qui est-ce qui a empêché que nous rendions action de grâce à nous-mêmes? Parce que vous faites pour nous de grandes choses. Ou bien nous la vie, ou bien nous le mouvement, cher Seigneur Dieu, permettre que nous sommes capables d'exercer, ou couvrir nous, ou protéger nous, ou garder nous, ou conduire nous, et quelles que soient les circonstances de la vie. Nous connaissons que somme Dieu qui est fidèle et dans la fidélité, nous sommes capables de compter sur vous. Encore une fois, nous disons merci. Merci pour ce service, merci pour nos frères et sœurs qui font des déplacements, qui répondent présents dans le temple matin. Merci pour ça qui fait déjà et merci pour toute provision qu'on fait déjà pour nous, cher Seigneur Dieu. D'abord, nous faisons grâce pour que nous sommes capables de mettre nous dans la condition pour recevoir toute provision qu'on fait pour nous et l'un après rentrer la caille, nous sommes capables de rentrer, nous sommes capables de sortir de ce lieu édifié, nous sommes capables de rentrer la caille nous avec conviction, cher Seigneur Dieu, côté dans mi temps nous te manifester dans mi temps nous et que on continue à faire grâce. Merci pour le tabernacle baptiste de Gozen, merci pour le parcours qu'on fait ensemble avec nous, cher Seigneur Dieu. Merci pour côté que on prend nous, merci pour côté pour plan qu'on gagne pour nous pour dans la vie nous et merci pour côté qu'on privé ensemble avec nous. Cher Seigneur Dieu, pendant que nous connaît que ou son Dieu qui fait au souci pour nous et pendant que on invite nous pour nous porter fort donne nous pour nous porter tête chargée nous yo baou. Nous venons côté, cher Seigneur Dieu, nous avides. Avides pour nous expérimenter, en l'autre dimension, dans la relation nous ensemble avec vous. Et nous faisons grâce, cher Seigneur Dieu. Fais-nous grâce pour que nous capables de rester dans la présence. Fais-nous grâce pour que nous capables de rester dans la volonté. Fais-nous grâce pour que nous capables de marcher ensemble avec vous. Marcher d'une façon qui conforme. Marcher d'une façon que vous approuvez. Marcher d'une façon qui fait au plaisir. Et nous connaissons, cher Seigneur Dieu, continuer à déverser grâce et bénédiction à flot sur nous-mêmes. Pendant que nous prions, cher Seigneur Dieu, pendant que nous demandons pour que nous capables de faire intervention en faveur de frères avec ceux nous qui ont besoin d'une touche spéciale de ta part, parce que parmi nous, il y a qui pas bien, parmi nous, il y a qui malade, parmi nous, il y a qui gagne malaise, soit dans le niveau physique, soit dans le corps. Soit dans le niveau pensée ou bien par rapport avec des défis que nous gagnons devant nous. Mais nous connaissons que pas de défi qu'on pas qu'à lever, pas de problème qu'on pas qu'à solutionner, pas de maladie qu'on pas qu'à guérir. Et nous avons tant préparé, dépendamment de cas, chacun de nous, nous avons fait intervention en faveur de nous, tout en général et chacun de nous en particulier.
pendant qu'on visite, non pendant qu'on guérit, non pendant qu'on conduit, non pendant qu'on protéger, non pendant qu'on garder, non pendant qu'on faire route pour nous, cher Seigneur Dieu, n'amando fait de même. Fait de même pour nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qui ont adoré, nos frères et sœurs qui ont loué, nos frères et sœurs qui ont exalté, un peu partout, là côté que vous êtes capable, cher Seigneur Dieu. Fait expérimenter une dimension profonde de présence. Fait expérimenter une dimension profonde de puissance. Fait expérimenter une dimension profonde d'intervention, même que vous faites en leur faveur. Et en retour, cher Seigneur Dieu, vous même ensemble, fait, nous allons mettre ensemble pour continuer à rendre gloire. À vous-même, cher Seigneur Dieu. Je vous remercie pour le pays côté co-établi, non? Merci, cher Seigneur Dieu, pour les gens qui ont béni le pays. Et nous allons continuer de verser grâce avec bénédiction sur le pays. Et nous allons en particulier pour faire une grâce spéciale à ça, que ou même au relais et que vous placez dans la position pour que vous soyez capable de diriger. Et nous allons faire que vous soyez capable de faire preuve de sagesse dans la décision que vous apprenez, faire que vous soyez capable de faire preuve de. D'obéissance par rapport avec principe parole dans décision que on prend et comme ça nous connaît que on continue faire grâce à pays ça et tout on fait grâce nous même qui la donne tout n'a bénéficié de grâce ça yo pendant que n'a pas d'autant préparé une grâce spéciale une faveur spéciale en faveur de pays non pays nous cap souffrir pays nous qui dans situation extrêmement difficile pays nous qui dans situation d'extrême danger. Et nous demandons, cher Seigneur Dieu, même si la situation paraît que l'y dépasser capacité dirigeant nous, capacité les hommes, mais nous connaissons que la situation ça pas dépassé capacité par. Et nous connaissons, cher Seigneur Dieu, si vous décidez de faire intervention en faveur de pays, nous, en plus, le monde va étonner, on va saisir pour voir dans qui état pays entier, pour avoir un gros changement qui arrive là-dedans. Mais nous-mêmes qui croyons en nous-mêmes, là, ça va arriver, nous réaliser que c'est prière nous, cher Seigneur Dieu, c'est cri cœur nous, que vous t'étendez. Et que vous faites intervention, cher Seigneur Dieu, en faveur de pays. Nous restons quoi que ça possible, parce que nous croyons en vous, où son Dieu pas gagné qui est impossible à vous-même. Vous avez toute puissance, cher Seigneur Dieu, vous avez pouvoir pour faire sauver, et puissance ou pas limité par réaction les hommes, puissance ou pas limité par ça que les hommes pensaient. Et nous avons d'autant prier, déployer toute puissance pour faire une intervention. En faveur de pays, non. Merci pour ce dimanche spécial. Merci pour frère avec ce nous qui là, qui répond présent, cher Seigneur Dieu. Merci pour tout le monde qu'on nous. Merci pour tout le ministère que nous avons qui a fonctionné dans l'église. Et nous étions quoi, cher Seigneur Dieu, à faire pour nous au-delà de ça que nous demandons à travers cette prière. Nous avons parmi nos frères et sœurs qui parlent là côté, assister, conduire, garder, bénir, cher Seigneur Dieu, pour nous. Et retrouver nous. Les retourner, les retrouver, les s'en amener ensemble pour continuer à rendre gloire à nous-mêmes. Que nous bénis, que nous glorifions, que nous exaltons. Nous demandons toute grâce à vous avec quoi nous péchons. Nous. Au nom et par les mérites de ton fils Jésus-Christ, lui-même qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Je rappelle à tout le monde qui a suivi le service. Kounia, c'est la grande chorale du tabernacle Baptiste de Rosen qui a préparé pour aller interpréter un morceau spécial en bas direction Maestro Ishland Boutus. Bonne audition et que le Seigneur vous bénisse. Jésus, puissant sauveur, Jésus.
Qui ça l'église dit? On nous baïko à l'anglo applaudissement encore non. Yo fait un pile effort qui fait pour ça t'est arrivé de fête matin. Et dans moment ça n'a demandé si gon monde qui t'est pensé à nous même matin pour nous passer ouais nous visiter nous matin n'a demandé le capable mettre le debout et l'église capable faire connaissance ensemble avec lui dit non dans qui l'église dit sorti. OK, merci. OK, n'a commencé action nous bon ici. Bonjour. Oh, good job. Amen. Bon Dieu béni, nous comptons au matin. Hein? Miko a pas une fois fini. OK, n'a pas ça frère nous connait. Bonjour l'église. Bonjour. Non pas me faire te là. Moi venu là pour une deuxième fois parce que m'étais venu non yon pas songer non. Capable dire 31 décembre dans la soirée. Moi venu là avec ses Mika, puis ses cousines moi, moi sorti du côté d'Haïti à Petit Goave, moi marché dans l'église Ebenezer de Petit Goave. Moi très content du fait que moi là avec nous matin pour louer, pour remercier mon Dieu pour tout ça le fait pour nous. Amen. Nous Dieu merci. Qu'importe l'on chanson qu'on va type là ça, li pour pas quitter que mon chita là. Li réservé à eux même, OK? OK. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Avant de me présenter, j'ai une question pour cette assemblée. Nous sommes chantés pour que nous disions qu'il mourit en place. Moi. Qui est espérance l'Église là? Espérance l'Église là, c'est ouais, Jésus face à. Yes. C'est espérance l'Église là. Parce que mourir en place moi pour que je sois capable de gagner là. Avis. Merci. Non pas moi, c'est pasteur Léger Wilner. Et nous, c'est petit frère pasteur Léger qui, dans New Jérusalem, Port-Sainte-Lucie, nous sortit Haïti. Okay. Nous sortit Haïti. Nous avons dit que depuis 14 janvier 2023, côté que le Seigneur mette nous, nous pas capable là. Nous t'a bien aimé, à pas adorer même gens ensemble avec vous, mais nous pas capable. Nous résister, nous pas capable encore. Et que le Seigneur voyez nous pas bon ici parce que famille nous, t'es déjà pas bon ici, à bon nous pression, bon nous venir pas bon ici. Mais n'apmando, on va continuer prier pour frère. Pour sœurs qui Haïti. Amen. Nous invités par belle sœur, la sœur Florence. C'est maman nous, qui est capable de camper. Amen. C'est lui-même qui a invité nous matin. OK, good job sœur Florence. Merci. Et nous avons dit que nous sentons la caille nous. Amen. Nous la caille nous et nous sentons l'homme nous a béni. Gloire à Dieu. Que bon Dieu continue à garder nous. Que bon Dieu continue à protéger nous. Merci. Merci, pasteur. N'a pas sa foi, nous connaissons. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Ah non, pas moi, c'est frère Ézéchiel Paul. Moi, c'est amis frères, vont si toujours invité, mais malheureusement, je n'ai pas de venir. Je dis à moi, décidé de passer visiter l'église. Amen. Sans bénédiction pour nous ensemble, c'est un grâce avec vous. On va adorer bon Dieu ensemble avec vous parce qu'il dit ça, il est bon. Pour les frères de demeurer ensemble et adorer le Seigneur ensemble. Et son bénédiction, chaque fois, nous avons chance pour entrer dans la maison de Dieu et offrir des actions de grâce à le Seigneur. Son bénédiction pour nous être là, je souhaite que nous avons passé une très bonne journée, que bon Dieu bénisse nous matin. Amen. Nous disons merci. Nous t'aiguetons penser à nous même matin pour nous être capables de venir adorer ensemble avec nous. Nous avons soeur, nous avons longtemps nos paroles, nous disons welcome back. Soeur, nous qui chita à côté de soeur Agnès là. Sister Cathy, welcome. C'est petite sœur Florence. Est-ce que nous pas quand on visite nous au matin?
C'est pour être ça n'a demandé capable chita et l'église capable camper pour nous capable chanter à qui les beaux de voir des frères. Tout de suite c'est capable chita l'église capable camper. Et en sœur belle sœur en pasteur Louis Saint on a demandé que pour leur une chanson encore passer ouais nous. Amen. Bon Dieu a béni. À qui les beaux de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Les champilleuses et leurs prières comme un ensemble. Le champilleur et le prière comme un encens monté aux cieux. Nous avons un gros applaudissement. Et cousine sœur, sœur Juliana, nous comptons, ouais, nous avons longtemps, nous parlons. Ouais. Que bon Dieu bénisse. Amen. Si vous avez l'autre, nous parlons, nous disons. Oh, asso? Comment non ce asso pour l'église capable ouais nous que longtemps nous pas asso ce asso nice comment non OK c'est madame Frati bon nous que longtemps nous c'est membre l'église Gozen nous mettons elle par la lila amen nous content ouais que bon Dieu bénisse ce asso nice amen qu'on en a fait place à ce Gilène pour les annonces de la semaine. L'église bon Dieu béni nous. Nous dit bon Dieu merci d'est-ce qu'il permet nous capable dans présence li matin pour nous capable adorer en l'esprit en vérité. Et puis l'église nous souhaite ou bonne fête de Pâques dans le nom de Jésus. Et pour annoncer n'a demandé est-ce que nous pas gain et parmi nous frère action yo qui t'a fêté date de naissance yo ou bien anniversaire de mariage, yo capable mettre yo debout pour l'église capable pour nous capable dire bonne fête. Amen. Cette année sauce nous t'a fêté. OK, nous gain deux sœurs nous parmi nous pour chanter pour yo happy birthday. N'a mettez nous debout, se nous yon ap chita pour nous capables de chanter pour vous. Cette année, sous mettre chita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Love you, we do. We love you, we do. We love you, we do. Happy birthday to you. Amen, amen. Nous rendons bonne action de grâce pour vous. Chaque fois l'Éternel ajoute une autre année dans la vie ou son grâce que bon Dieu capable bon Dieu fait. Et pour annoncer nous connaît après-midi à 6h30 n'a retourner pour nous capable clôturer journée et demain soir qu'à plein dix soir n'a gain service de prière nous en ligne de prière 848 220 3100 et puis nous gain pen nombre nous qui 577 98 96 c'est là que n'a pié pour demain soir. Quant à mardi matin de 9h à midi, c'est dans l'église là que nous prier de pour gain chance ou pas le travail ou capable pour nous capable mettre voix nous ensemble pour nous capable chercher la présence de Dieu. Mercredi n'a gain étude babor ici avec pasteur nous pasteur Louis Saint et l'a 7h du soir. M'encouragez-nous pour nous capables d'inviter un monde pour accompagner nous, pour capables de venir entendre la parole de Dieu. Jeudi, nous libres. Vendredi, nous avons un service de prière par bord ici. L'heure est 7h du soir.
samedi, nous prenons juste ça pour nous capables de faire nettoyage par bord ici. Et dimanche prochain, nous avons classe école dominicale et classe baptême à 9h du matin. Nous avons culte d'adoration à 10h15. Et dans l'après-midi, nous avons retourné à 6h30 pour nous capables de clôturer la journée. Continuez à prier pour nous, pour Eve, pour l'Éternel, capable de permettre nous avancer et puis pour le capable de faire route pour nous et pour le capable li konnen besoin nous li konnen nous besoin l'argent pour nous capable payer bill yo pa bor ici et puis n'a mando pour capable supporter Eve là nous gain cash app ou bien Zelle ou capable faire ça numéro téléphone nous c'est 954 288 0881. N'a mandé tout le monde cap écouter nous à travers YouTube, à travers Facebook et à travers Zoom, et numéro téléphone pour capable supporter EFSA, pour nous capable faire l'évangile aller tout partout pour monde qui fatigué, monde qui fatigué qui bouqué, pour capable tendre la parole bon Dieu, pour capable sauver ou capable supporter nous par bord ici. Numéro téléphone nous c'est 954 288 0881. Continuez prier pour ça qui malade, ça qui en difficulté, pour l'Éternel capable de continuer visiter yo pour soin yo, spécialement la famille Pasteur Petit côté Lia, pour l'Éternel capable de continuer faire route là ensemble avec yo. N'a mando continuez prier pour nous. Nous avons une semaine de et 4 jours de conférence, c'est conférence de la famille que n'a gagné du 10 au 14 avril prochain. Priez pour nous pour semaine ça capable en semaine de réussite. Invitez monde, mobiliser pour nous capable venir entendre la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu nous pas capable faire route là. Nous besoin la parole, nous besoin entendre, nous besoin point information pour capable aider nous dans vie nous de chaque jour. Continuez prier yon pour l'autre, pour ça qui en difficulté, ça qui malade, pour l'Éternel capable prendre soin yo. Rete à grâce, bon Dieu bénis nous. Amen. Ok, amen. Et c'est l'heure pour nous capables de ramasser les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Puis que les gens qui sont responsables sont capables de faire ça pour nous.
Dieu l'univers, bon papa qui est en haut dans le ciel, nous disons merci, nous bénissons, nous bâons gloire, honneur, louange que vous seul mérité. Merci Dieu Tout-Puissant, ou pas dans ton beau encore, ou levé bien vivant, nous bénissons, nous bâons gloire. Et merci pour chaque membre, pour chaque monde qui est venu la matin. Pour te vin ba ou gloire, honneur, Dieu Tout-Puissant, louange. Nous disons merci pour ça. Merci pour l'offrande que nous sommes ramassés, Dieu d'amour. Nous demandons béni chaque monde, chaque main qui te dépose dans le corbeil, Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, t'en prie, béni, Dieu Tout-Puissant. Et béni tout ça qui va gagner, qui a envie de participer, Dieu Tout-Puissant, qui va capable. Nous demandons, ou va ouvrir, pour du travail pour yo, Dieu Tout-Puissant, ou va bailler au travail, Dieu d'amour. Les ouvriers une prochaine fois pour être capable de joindre pour participer dans l'œuvre vous cap marcher Dieu tout puissant. Gardez-nous pendant toute la journée Dieu tout puissant reste service dans mon Dieu tout puissant. T'en prie assistez-nous, acceptez prier nous yo nous prions comme ça parce que nous bon nous dit nous prions dans notre Seigneur Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Avant nous tendre ainsi par l'Éternel, n'a pas relé Sœur Jeanne avec Timonio qui a eu un morceau spécial pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Glory to God. We thank God for everything. Nous disons bon Dieu merci pour toute bagaille. Merci bon Dieu pour la présence nous toutes qui la matin. Non, moi c'est Sœur Jeanne et c'est moi-même qui a aidé Jeunio dans le ministère des jeunes que nous gagnons dans Tabernacle Baptiste de Gozen. Nous avons travaillé avec Jeunio simplement parce que nous voulons que eux-mêmes tout apprennent parole bon Dieu, apprennent, comprennent qui est ce bon Dieu et pour eux-mêmes tout. Yo capable gen une relation personnelle avec mon Dieu. Nous fait ça à travers chant, à travers étude. Si devons kon ba yo, m'pa konnen si kon pose question sou ça nous fait dans classe là, mais ça vraiment important surtout dans monde que n'a vive là. Si moun yo gen téléphone, yo gen distraction, si yo pa gen une base et ki bon yo ka gen une relation avec mon Dieu, donc ça ou konnen gen danger de yo. Donc jodi a nous pral chante un petit chant à l'occasion de la fête de Pâques. C'est une chanson qui dit, what's the name of the song, guys? Jesus is the answer. Jesus is the answer. He is the answer for everything, happy, sad, difficulties. And so, ou konnen, parfois, gen ki vini, gen ki pa vini, so we're doing our best. Please encourage the class, give them a hand, so. Thank you for the parents who bring their kids to Sunday school on time so that they could participate. Thank you, Mr. Sean, our maestro in-house. So, everybody, are you ready? Yes. Okay, you guys are kind of squished together. What? Okay, just a little bit. All right. Big smiles, everyone, because who are you singing for? God. Okay, it's not for the teacher, right? Okay. Are you ready? Yeah. We're going to sing Jesus is the answer for the world today. Above him, there's no other. Jesus is the way. All right? All right. Your papers. One, two, one, two, three. Right foot. Jesus is the answer for the world today.
Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corner of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. There's one thing that I know for sure, that Jesus is a way. Let's sing. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Come on, guys. I know you got some mountains that you cannot climb. I know your scars have been dark and you think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the word of God is true, and everything for you. Let me tell you that Jesus is the answer for the world today. Above him there's no others. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. Mais pour eux, ils font plus l'effort. Avec ce, encore une fois, paix et grâce, bon Dieu, ensemble avec nous toutes. Amen. Jeudi, nous autres prenons le soin de nous chanter, nous célébrer, nous faire que nous contents. Et parmi différents chants que nous autres chanter, nous chanter à toi la gloire, et pas vrai, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roula la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Et il y en a un chant que nous chantons souvent, bon, ici, pas vrai, nous avons un chant qui dit, moi qu'on est vivant, m'a compté sous deux mains. Parce que vivant, inquiétude moins, allez. Parce que me connais, oh me connais, li c'est toute la vie moi. M'a compté jour pour le venir chercher parce que li vivant. Et le vivant. Nous pas servir un Dieu qui mourit. N'a servir un Dieu qui vivant. Et li vivant pour l'éternité. Bon prend le soin dans l'église encore une fois pour faire écho à ça, c'est Julien qui t'a dit pour souhaiter nous
Maïso Boudjistege t'a fait déjà pour souhaiter nous bienvenue dans le tabernacle baptiste de Gozen. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, frères avec soeur Nouyo. Une bienvenue tout à fait spéciale à soeur Assonise, que nous avons longtemps que nous avons demandé pour lui, mais il est là parmi nous. Soeur Linda, ensemble avec Naya, nous comptons à bienvenue, ça sont belles surprises. Pasteur Léger Wilner d'Haïti, et que nous comptons ouais, frère Ezekiel Paul et frère Joseph Rodrigue, nous comptons ouais, yo, et nous comptons que là ensemble avec nous, sœur Brianna, et que nous avons longtemps que nous parlons qu'il est ensemble avec nous, sœur Micheline, qui passe souvent là dimanche matin, mais qui est ensemble avec nous. Avec tout l'autre frère, avec ceux qui me donnent, mais cité non, yo, mais gen non pas gagné, ou mais gen non qui échappé, que je ne pas arrivé cité, mais depuis là, nous avons que nous comptons ouais, yo, et nous comptons que. Ou capable de répondre présent dans le temple que nous mettons à part, dans l'espace que nous mettons à part pour faire service, bon Dieu. Et nous avons invité toute assemblée à temps pris, capable de lever, nous mettons nous debout et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. Let's go to 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et m'appelons pour nous sortir dans verset 11 pour arriver dans verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, from verse 11 through 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11 à 20. 1 Corinthiens 15, verset 11 à 20. On nous fait lecture ça. M'a invité au. On fait lecture ça ensemble avec moi, on a fait lire en français. You can follow along with us, but we are going to read it together in French. On va aller ensemble. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Merci, you may be seated. N'a pas dit un bienvenue spécial à sœur à frère Lud ensemble avec madame ni sœur Françoise nous kota wayo bienvenue pour avec sœur pour monde qui prêtait attention monde qui prêtait attention à ça qui est écrit dans les saintes écritures ça que nous joignent dans la parole de Dieu. Laissez-moi dire que ça qui t'est arrivé dans le jardin de Gethsémani à la croix, ça qui t'est arrivé, le Christ t'a offert la vie en sacrifice lorsque il était mort, ça qui t'est arrivé trois jours après, ou bien ça qui t'est arrivé troisième jour après que il était mort, c'est pour un bagage qui t'a dû étonner personne. C'est un bagage qui t'a dû étonner personne parce que ça t'est prédit dans les saintes écritures. Ça pas dû étonner monde parce que
la parole de Dieu t'a annoncé ça. T'a annoncé ça à travers les prophéties de l'Ancien Testament. Psaume 16, verset 10. Ésaïe 53, verset 8 à 10. Non seulement les prophéties de l'Ancien Testament t'a parlé de ça, avant même que ça arrivait, Jésus-Christ lui-même, au cours de son ministère terrestre, pendant le passage de terre ça, lorsque Jésus a exercé le ministère de terre ça, à plusieurs reprises, avant que bagaille arrive, Christ a fait connaître que la privé. Sans nous pas énoncer tout passage, mais regardez Marc 8, verset 31. Lorsque Christ est encore en vie, regardez, ouvrez la Bible, tournez-le dans Marc, chapitre 8, verset 31. Marc, évangile selon Marc, chapitre 8, verset 31. Regardez Jésus-Christ qui t'a annoncé sa mort. Verset 31, Marc chapitre 8, verse 31. Alors il commença, en parlant de Christ, qui commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Avant même que bagaille arrive, Christ a annoncé que l'a arrivé. Yo gen pour arrêter m, yo gen pour juger m, yo gen pour condamner m, yo gen pour crucifier m, mais 3 jours après m'a levé sorti vivant dans ton bois. Dans même l'évangile selon Marc là, on allait dans chapitre 9 verset 31. Chapitre 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Ça veut dire, nous devons réaliser que la mort de Christ, la résurrection de Christ, c'est pour un bagage qui arrive par accident. Mais son bagage qui était programmé dans le plan de Dieu. Et Christ est en fait monde qui proche lui, on connaît que ça a gain pour arriver. Et ça pas trop si nous t'as venu avec un autre passage toujours dans Marc, on va aller dans chapitre 10. C'est comme si Marc t'a insisté en pile sur question ça. Et là nous arrivons dans chapitre 10 verset 32 pour arriver dans verset 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Comme annoncé, lorsque le moment est arrivé, Jésus-Christ t'est livré. Livré Jésus-Christ entre les mains des leaders religieux de son temps et des autorités romaines pour être jugé, condamné à mort, crucifié et enterré. Nous connaissons la bien et nous te rappelons ça dans le service spécial que nous avons gagné vendredi soir. Jésus-Christ a été accusé. Après accusation, il a arrêté. Après, au final, arrêté, il a jugé. Après jugement, il a condamné. Après, au condamné, il a crucifié. Après, au crucifié, il a mort, il a enterré. Et le bandit au fin enterré, le bandit a arrêté, a crié, il a dit non, prends. Pourtant, il y a un problème. Nous récits mettre mes sous lui. Ce n'est pas qu'on y a envie de mettre mes sous lui. Mais finalement, nous arrivons à mettre mes sous lui. Puis là, au fin arrêté, Jésus fin enterré.
bandi yo fè fèt m pa konn gen nayo m pa konn gen nayo si yo te konn bwè yo konn gen moun ki konn bwè lè kèl kontan ki sa l fè li bwè jiska ske li sou monsieur sa yo bwè jiska ske yo sou li pandan 20 an nan tèt yo pi gen yon goup nan yo ki di non même son jèl te di avant l mouri son jèl te di ke la pleve on ta nou pa fè nou pa kwen nan bagay leve a on ta nou pa fè nou pa fè demarche auprès de autorité on a mandé pou yo ban nou quelques gardes pour veiller tomblant pour disciple yo bal voler corps après ça pour yo crier que li ressuscité fè demarche le jeune soldat il dit non nous pas besoin pour soldat ou même chercher pour moun pa et puis mettez veiller tomblant. Après mettez veiller tomblant. Frères et sœurs, si l'histoire du ministère de Christ t'est limitée à question entrer dans ton bois, question mourir, question la mort de Christ, oh affaire nous pas bon parce que histoire la table sombre. Heureusement, après l'ensevelissement qui s'épreuve, parce que frère, je me suis réalisé que Saint-Esprit, bon Dieu, est assez sage dans les gens que lui dirigeait auteur pour te reproduire, pour te retranscrire l'histoire, pour te retracer l'histoire de Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon Dieu, te baillé assez sagesse pour montrer que le nom dit que Christ mourit, ce n'est pas une rumeur, il est mort tout bon, vrai. Et ceci est tellement vrai pour prouver qu'il est mort, tout le monde qui mourit. Normalement, quand il y a des gens, ce n'est pas inhumé ou inhumé, c'est incinéré ou incinéré. Mais dans le contexte, les gens ne sont pas dans la question d'incinération, c'était inhumé ou enterré. Et leur enterré, ils n'ont pas enterré les gens qui sont vivants, ils ont enterré les gens qui. Elle dit si la Bible parle de enterrer, son preuve qu'il est mort, tout bon vrai. Il est mort, tout bon vrai. Heureusement que l'histoire de Christ n'est pas arrêtée à la croix. L'histoire de Christ n'est pas arrêtée au tombeau. Heureusement, après que Christ est fin enterré, qui s'épreuve que le démon est tout bon vrai, la Bible parle nous de la résurrection de Jésus-Christ qui prouvait que lorsque Christ a dit que l'a mouru et l'a ressuscité, ça prouvait que Christ a bâillé vérité. Ce n'est pas menti que le bâillé. En plus, il faut nous chanter « Les soldats, le sceau, la pierre n'ont pu le retenir. Soldats qui ont été placés, au sceau qui ont été mis sous tombe, en gros roche qui ont été roulé, pas qu'à empêcher que Jésus sorti vivant dans le tombeau. Notre Seigneur est vivant, il est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. C'est raison ça qui fait, lorsque nous chantons « À toi la gloire », oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous qu'à chanter, nous qu'à célébrer, nous qu'à faire fête parce que bon Dieu nous a pas mouru, il vivant, il sorti vivant dans ton bois. The fact that he was buried verified his death, and the fact that he appeared to others verified his resurrection. Le fait que Jésus-Christ est enterré, ça a montré qu'il est mort tout bon vrai. Et le fait que lui ressuscité, et le fait que lui paraît monter carouel après qu'il fait une ressuscité, montrer qu'il est ressuscité tout bon vrai. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 11 à 20. Mais 1 Corinthiens 15, il n'a pas commencé dans verset 11, il a commencé dans verset 1er. Et dans 10 premiers versets dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul te prend le soin selon que Saint-Esprit te dirige pour lui te mettre en phase, pour lui te souligner quelques évidences de la résurrection. Frères et sœurs, pour montrer que Jésus-Christ ressuscité tout bon, vrai, un prophétie te gagne temps parler de ça et ça arrivait vrai.
pour montrer que Jésus-Christ ressuscité tout bon vrai, il pas seulement ressuscité puis quitter ça dans maid moun yo, mais il fait well, il fait moun well. Moun te ka wè que Jésus vivant après que le devine, après que crucifié, après que le rentré dans tombe là, le levé vivant. Li paraît et moun ka wèl. Et parmi moun ki wèl yo, témoin oculaire, moun ki wèl avec yeux yo. Pierre, c'était yon nan yo. Jésus paraît avec, li fait disciple yo wèl, li fait apôtre yo wèl. Jésus Christ fait plus que 500 moun wèl. C'est pas bagay yon moun de moun. Si c'est yon moun de moun, ou ka di hallucination. Mais il fait 500 moun. Well, il fait Jacques. Well, il fait apôtre. Well, et finalement combien de temps après même monde qui part croit le fait ressusciter et parmi monde qui part croit le ressusciter mais que vient faire well après Paul lui-même même c'était un dans monde qui ouais Jésus-Christ. Pas gain d'autre sur est-ce que lui ressuscité, il ressuscité tout bon vrai. Mais quel autre bagaille encore qui pral prouver que Jésus-Christ ressuscité. Frère, c'est parce que Jésus-Christ ressuscité oui, qui fait que nous avons l'évangile. Et c'est parce que l'évangile, et parce que Jésus-Christ ressuscité qui fait que nous avons sauvé. C'est parce que Jésus-Christ ressuscité qui fait que l'église. Pourquoi nous l'ensemble avec moi, frère? Et c'est parce que Jésus-Christ ressuscité qui fait que prêcher là. Si Jésus-Christ pas ressuscité, il faut que nous cherchions l'autre travail pour me faire. Parce que prédication par abgain va valeur, li par abgain importance. Et frère, parmi bagay que nous besoin prêter attention, qui doit attirer attention, nous comme chrétiens, comme frères avec sœurs en Jésus-Christ, nous besoin prêter attention à l'évangile que nous avons proclamé, l'évangile de Jésus-Christ. Et là, nous disons, l'évangile nous est la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, pas gagner l'évangile sans la croix, pas gagner l'évangile sans la résurrection. L'évangile est étroitement lié à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. Pas gagner l'évangile en dehors du message de la résurrection de Christ, parce que c'est la résurrection de Christ qui couronne l'œuvre accomplie à la croix. Frères et sœurs, pas quitter les hommes avec philosophie que vous avez développée, t'a porté non à douter de yon vérité que la parole de Dieu attesté. Nous pas qu'à acter, nous pas qu'à accepter yon vérité à demi, ou pas qu'à accepter la résurrection de Christ est doutée de la résurrection des croyants. Sounier la résurrection des croyants, du même coup, ou nier la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le passage que nous lisons, Paul a souligné 6 conséquences désastreuses. 6 conséquences désastreuses qui t'a lié au fait que sous pas ta croix dans la résurrection de Christ. Et rapidement, m'a pris un petit temps, peut-être dans 2 à 3 minutes, pour aider à comprendre chaque conséquence par eux. Frères et sœurs, nous avons intérêt à être confiants, nous avons intérêt à être attachés à doctrine résurrection Jésus-Christ là. Parce que si doctrine ça t'est arrivé douter de lui ou pas ta croire la donne ou on t'a gain doute sur lui bon tout l'autre bagaille que ça a entraîné bon tout quelque dans ça que ça a entraîné frère sœur si ou pas croire dans la résurrection de Christ sous doute et la résurrection de Christ prédication de l'évangile à l'ivène ça pas aucun sens. Quel que soit joint à relé pasteur, si son pasteur qui a prêché la croix, si son pasteur qui a prêché l'évangile, si son pasteur qui a prêché que Christ mourit et Christ ressuscité, sous pas quoi dans la résurrection de Christ, pasteur, t'as pas besoin de continuer à prêcher encore. La prédication de l'évangile est vaine. La prédication de l'évangile est sans valeur si Christ pas ressuscité. Pasteur, mais t'as le cherchons l'autre travail pour yo faire.
Parce qu'elle a toujours fait disco, mais elle fait disco dans l'autre niveau, dans l'autre dimension, dans l'autre domaine. Mais pas prêcher l'évangile, parce que pas gagner l'évangile sans la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire, si Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas nécessaire que mon a prêché, il n'est pas nécessaire que Pasteur Lucien a prêché. Prédication, tu as venu en perte de temps et d'énergie. Prédication, tu as sans sens, pas d'abgain sens là-dedans. Nous pas d'abgain aucune raison pour que nous avons réuni là les dimanches matin pour nous venir faire service d'adoration. Adoration, adorer qui monde? Il y a un Dieu vivant ou bien un Dieu mort? Il y a un Dieu qui vivant. Il y a un Dieu qui vivant. Nous avons cherché une autre occupation, une autre travail pour nous faire parce que la prédication n'a pas de sens. Sans quoi? Sans la résurrection de Jésus-Christ. Et frère, et pas prédication seulement, non, qui n'a pas de sens, frère. Si Christ n'a pas ressuscité, foi que nous placons dans Christ, dans tout, foi, ça, son foi qui vaine. Notre foi serait inutile, verset 14. Dans même 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons dans verset 14. Verset 14, à qui ça le dit? Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, a dit, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi ça n'a besoin de placer foi nous dans l'île? La foi en Christ n'aurait pas de but. Qui ça t'a servi pour placer confiance dans un Christ, dans un Dieu qui mourit, dans un Dieu qui n'est pas vivant, dans un Dieu qui a un bon cœur, mais arrivé en l'heure, les hommes arrivent et mettent les mains sous lui, ils tout yel. Et si Dieu ça t'a quitté les hommes tout yel Jean Ovelé et le pas t'a réagi, ça t'a montré son Dieu qui sans puissance, un Dieu qui sans autorité, un Dieu qui sans valeur, un Dieu qui sans vie, un Dieu qui incapable pour t'arriver sauver monde. Et nous même comme monde qui gagne bon sens, si nous t'a placé foi nous dans un Dieu qui sans puissance, sans pouvoir, sans valeur, sans autorité, nous t'a pas mis monde qui insensé, nous t'a pas mis monde qui fou. Y a un Dieu qui sans pouvoir, sans puissance, sans autorité, son Dieu qui pas faire rien pour nous. Nous frères sommes ouais, ouais tête chargée que t'a gagné. Si Christ pas ressuscité, nous pas besoin prêcher. Si Christ pas ressuscité, nous pas besoin placer foi nous dans lit parce que ça n'a fait aucun sens pour nous placer foi nous dans un Christ qui mourit, dans un Christ qui pas faire rien. Nan un Christ qui sans pouvoir, sans puissance, sans autorité. Troisième bagaille. Troisième conséquence désastreuse qui t'a gagné. Si Christ pas t'a ressuscité, prédicateur yo, nous tourner la prédication encore. Prédicateur yo, c'est des menteurs qui ont tapé. Prédicateur yo pas t'a digne de confiance. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Nous, prédicateurs, nous t'avons fait tête nous passer aux yeux de Dieu comme des menteurs, comme des faux témoins, comme des faux messagers qui t'a proclamé un message qui n'a pas rien pour eux avec la réalité. Si pas de gagner résurrection et si Christ pas de ressuscité, commencez par apôtre. Continuez par les prédicateurs des temps passés et présents. Tout t'a fait tête passer comme des menteurs, puisque t'a prêché un message qui n'est pas fondé, un message qui est faux, un message qui est erroné. Et si Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, nous t'a fait bon Dieu passer pour ça, parce que nous t'avons proclamé un message qui n'est pas conforme à ça. Bon Dieu t'a dit. Nous t'a dit que bon Dieu parlait de résurrection, tandis que bon Dieu pas t'a parlé de. Ça, le ça nous t'a fait tête nous passer pour des
menteur, verset 15. Nous t'a témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis que l'Ipata ressuscité le tout bon vrai. Si les morts ne ressuscitent point. Nous allons plus loin. Quatrièmement, si Christ n'a pas ressuscité, nous avons connu combien de nous avons sauvé. Par rapport à l'évangile, pas vrai? Par rapport à la prédication, par rapport à la foi, quatrièmement, par rapport à salut. Pas de pièce monde qui tape. Je vais répéter plus fort. Pas de pièce monde qui tape sauvé. Without the resurrection of our Savior Jesus Christ, no one would be saved. There would be no salvation. Verse 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Votre foi est vaine. Par bien la foi tape sans valeur, sans importance, et vous seriez encore dans vos péchés. Pas de monde qui tape sauvé. Tout le monde tape dans le péché toujours. Heureusement que Christ est ressuscité. Apôtre, tu as prêché la résurrection de Christ parce que la résurrection confirme que Dieu a accepté l'œuvre de Christ sur la croix. Jésus-Christ mourit, yo enterré. Troisième jour, en qui ça fait? Li levé, sorti, vivant dans ton bois. Mais songez parmi toutes paroles que Christ a prononcées lorsque il était à la croix. Une parole que il a dit, tout est accompli. En ce sens, tout ça que tu dois faire, arrivé, fait. Justice, bon Dieu, gétant, satisfait. Bon Dieu, d'accord. Bon Dieu, gen base qu'on y a, côté, il est capable d'accepter nous. Bon Dieu, gen base côté, il est capable de justifier nous. Puisque Christ mourit et que justice, bon Dieu, satisfait, bon Dieu, qu'a sauvé tout le monde qui place confiance yo nan Jésus-Christ. Et puisque bon Dieu, gétant satisfait, pas aucune raison pour Christ qui était dans ton blanc encore. C'est ce nom-là. La résurrection de Christ lui confirmer que bon Dieu, et pas vrai, gagne accepté l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et c'est à travers la mort et la résurrection de Christ qui fait que nous-mêmes qui placons confiance en lui, nous capables de sauver. Nous gagnons la vie qui pas jamais. Cinquièmement, frère, si vous ne pas croire la résurrection de Christ, ou bien douter de la résurrection de Christ, il y a une cinquième conséquence, il y a une autre conséquence que tu as gagné. Ouais, tout le monde qui te croit, qui te mourit dans ton enfant, yo, monde ça, yo te fini. Les croyants des temps passés auraient péri. Tout le monde avant nous, yo, qui te croit, même gens ensemble avec nous, yo, qui mourit, si Christ n'est pas ressuscité, yo mourit et yo mourit. Yo mourit et yo mourit net. Et si Christ n'est pas ressuscité, ou qu'on qui ça t'a fait sens dans la vie, bien manger, bien boire, prendre plaisir, bien dormir et puis mourir. Si pas de rien encore. Lorsque tu as mené la vie, même avec monde qui pas quoi. C'est pas vrai? Tu as privé dans la vie qui soit fait. Ou faire en sorte que ou bien manger, bien boire, prendre toute plaisir, qualité plaisir qu'on capable. Ben, il y a toute satisfaction dans tout niveau. Et puis, l'heure est arrivée pour mourir. Ou mourir. Et puis, la mort, après la mort, tout va gagner. Fini. Si pas de gagner, quoi? Si pas de gagner la résurrection de Jésus-Christ. Pas aucune raison pour nous t'a converti. Pas aucune raison pour nous t'a bine l'église. Pas aucune raison pour nous t'a tant de messages. Pas aucune raison pour nous t'a gagner espérance quelconque. Parce que, c'est pas d'avoir une espérance ciel. Pas d'avoir une question à aller dans le ciel. Les croyants des temps passés auraient péri. Finalement, et sixièmement, sans la résurrection de Christ, finalement, les chrétiens seraient les plus malheureux des hommes sur la terre.
les chrétiens, ou même ensemble avec moi, nous t'as pas mis monde qui puis misérable. Nous pas parmi monde qui puis drôle yo. Nous pas parmi monde a fait pas bon yo, parmi tout monde qui existait sur la terre, verse 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frère, je suis un grand pile raison, oui, pour nous plaindre pour nous. Je suis un grand pile raison, oui, pour nous dire, oh, pour diable, yo. Pour diable chrétien, yo. Yo sans vision, yo pas ouais, yo pas comprendre, affaire yo pas bon. Nous avons une raison pour nous plaindre pour nous parce que nous avons consenti à des sacrifices dans cette vie à cause de l'espérance d'une vie à venir. Et frère, seulement pile sacrifice que nous consentis et nous d'accord pour nous faire contrairement à monde qui dans monde là nous fait parce que nous connaît la vie nous pas limité à quelques années que n'a passé sous terre ça nous connaît que gagne l'autre vie cap vini et ça motive nous pour faire que nous accepter souffrance comme si m'accepter souffrance comme si li c'est tout parce que nous connaît que gon le cap rive bon Dieu a mette fin à souffrance et gon vie cap vini qui pa gen souffrance la dan encore. Et si pa n'ap gen vie ça, si pa gen ciel, si pa gen espérance ciel, si pa gen la vie après la vie, après la vie sur cette terre, si pa gen la vie éternelle, j'en nous te dit tout à l'heure, li t'a préférable pour tout le monde pendant que nous sous terre ça. Pour que qui philosophie nous adopte, manger, boire, prendre plaisir, dormir, et puis l'heure est arrivée, mourir. Il y aurait lieu de considérer les croyants comme des ignorants, des égarés, des insensés. Mais heureusement, frère Monsieur, ça nous saute d'y paraître sombre, mais ça c'est si pas gagné, résurrection, c'est si Christ pat ressuscité. Heureusement que Christ l'est ressuscité et c'est la résurrection de Christ qui garantit la résurrection des croyants. C'est la résurrection de Christ qui nous garantit que nous-mêmes tous nous gagnons pour nous ressusciter. Si Christ pat a ressuscité, il est superflu pour nous parler de la résurrection des morts ou bien de la résurrection des croyants. Ainsi, ou bien aussi, si nous refusons d'admettre la résurrection des croyants, c'est comme si nous t'a dit ou bien affirmé que Christ n'est pas ressuscité. Et bien, listez pour nous, pendant que nous avons terminé. Si Christ n'est pas ressuscité, pas gain l'évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, pas gain la foi. Si Christ n'est pas ressuscité, pas gain salut. Si Christ pas ressuscité, pas gain l'église. Si Christ pas ressuscité, pas gain la vie chrétienne. Et si pas gain la vie chrétienne, pas gain chrétien, pas gain espérance. Si Christ pas ressuscité, pas gain communion, pas gain communion ni avec bon Dieu, ni entre nous. Et son façon pour dire frère, monsieur, doctrine résurrection Christ, son doctrine qui très très important, très très important. Et si Christ n'est pas ressuscité, frère et soeur, c'est en nous t'a perdu, nous-mêmes qui placer confiance dans lui, nous-mêmes qui vient l'église, nous-mêmes qui avons servi lui, nous-mêmes qui quitter Saint-Esprit bon Dieu à diriger. Non, tout ça c'est à bien perdre de temps. Si Christ n'est pas ressuscité, pour nous autres croyants, c'est à laver maintenant sur la terre. Pas aucune raison valable pour nous continuer à l'église, pour nous continuer à attendre des messages. Pas aucune raison pour nous chanter. Pas aucune raison pour nous dire moi qu'on est vivant. Si on pas croit que le vivant tout bon vrai. Pas aucune raison pour nous ni chanter ni prier. Nous serions encore dans nos péchés sous le coup de la condamnation, vivant dans la crainte du péché, de la mort, de l'enfer et de Satan.
Heureusement, gloire à Dieu que Christ est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau. Il a remporté la victoire sur la mort et sur le péché. Le message de la résurrection de Christ est une invitation à expérimenter le Christ vivant dans notre vie. Et c'est bon que vérité ça, c'est bien que vérité ça traverse nous. C'est bien que vérité ça n'est pas seulement arrêté comme une simple connaissance que nous gagnons en tête, non, mais son vérité que nous qui imprégne que nous. C'est pas seulement quoi dans tête nous que l'expérimenter, mais c'est vivre à la lumière de cette résurrection. Li bon en tant que chrétien pour nous expérimenter la puissance de la résurrection dans notre vie de tous les jours. La résurrection de Christ, ce n'est pas un simple événement historique qui est arrivé dans le premier siècle et qui n'a pas gagné pour eux avec la réalité du 21e siècle. La résurrection de Christ jusqu'à présent, elle continue à influencer et transformer des vies. Et puisque c'est le cas, on nous continue à proclamer haut et fort que nous avons servi bien mon Dieu qui est vivant. À nous proclamer haut et fort le message du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification selon Romains 4, verset 25. Christ est ressuscité et a été élevé à la droite de Dieu. Sa résurrection est la preuve que l'expiation de nos péchés a été accomplie et que notre justification est assurée. Sa résurrection nous donne la garantie que notre espérance est bien fondée. Parce que Christ ressuscité, ça fait nous croire que côté nous, il y a nous bon. Ça fait nous croire que ça dans tête nous, message que nous devons recevoir, l'évangile que nous avons besoin qu'il y ait, ferme parce que notre Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Parce que Christ ressuscité, ça aide à nous comprendre que la mort n'est pas la fin de tout. C'est vrai que gon le ka privé si Christ pa gen tan tourné, gon le ka privé ou même ensemble avec nous gen pour nous rendre dernier soupir nous. Gon le ka privé nous gen pour mourir et gon le ka privé ou gen pour célébrer funérailles. Non, mais nous connaît avec funérailles nous c'est pas fini, nous fini avec funérailles. Avec funérailles corps ça pral nan tombe là. Pas vrai? Mais gon le ka privé corps nous avec esprit nous avec nous gen pour joindre encore, pas n'importe corps, non, et pas corps mortel ça, non, mais encore glorieux. Que bon Dieu ban nous. Et nous connaissons que nous avons continué vivre encore. Et c'est ça que fait une fois nous chanter. C'est pas la mort n'est pas la fin de tout. Avec Jésus pas gain. Avec Jésus pas gain. C'est fermé. L'ouvrir. Avec Jésus pas gain. La mort c'est fermer les yeux. L'ouvrir. L'autre bord. Nous avons garanti que nous-mêmes, tout nous avons pour nous ressusciter, pour connaître le bonheur éternel dans la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est la raison ça qui fait nous qu'à faire fête. C'est la raison ça qui fait que nous sommes capables de célébrer. Nous sommes capables de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On fait fête. On célébrer, bon Dieu. On dit, bon Dieu, merci. Merci pour la vie. Jean chantait à la banza a dit, on dit, mon Dieu, merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance que nous joignons dans qui monde? Dans Jésus-Christ. Ce Jésus qui représente absolument tout pour nous. Jean nous chantait, Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Qui ça? La paix, la joie, la vie. La paix, la joie, la vie. Et c'est dans lui moins joindre tout ça que moins besoin. François, est-ce qu'on croit la résurrection? Avec résurrection, il y a une raison pour nous continuer à proclamer l'évangile. Avec résurrection, foi nous bien assurée. Avec résurrection, il y a une raison pour nous continuer à prêcher l'évangile pour le monde qui a sauvé. Et pour le monde qui a sauvé, qui a grandi, qui a transformé. On n'a pas écouté moun qui pas croit yo, faux docteur yo, faux enseignant yo cap circuler toute qualité information pour porter moun à douter de sa parole
bon Dieu dit. Jésus-Christ est vivant, et parce que Jésus-Christ est vivant, moi-même tout, je connais que même après la mort, moi vivant, parce que la mort sur cette terre sont simples qui ça transition que lié, transition de cette vie, transition de cette vie pour que nous capables de vivre dans la présence de Dieu. Moi connais vivant, m'a compté sous demain, parce que vivant, inquiétude moins, allez, parce que me connais, lisser toute la vie moins, m'a compté jour. Pour venir chercher parce que vivant. Si toutefois tu as un monde qui là qui pour faire la paix avec Dieu, qui pour accepter Christ comme sauveur personnel, tant pis, c'est un plus gros cadeau que tu as offert tout. Sous côté rentrer sans Christ, mais on t'a d'accord pour accepter comme sauveur personnel ou pour tourner la caillou avec Jésus-Christ, pour tourner la caillou avec certitude et conviction que Saint-Esprit prend place dans la vie. Ou ap tourner la caillou yon l'autre monde, yon monde qui sauvé, yon monde qui délivré, yon monde qui justifié et yon monde désormais cap faire route pour le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Nous avons un privilège pour nous approcher nous, de cette table pour nous capables de communier ensemble en ce grand jour qui est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour capable préparer cœur nous pour ça, m'a invité autant prier en nous courber fort nous pour capable confesser faute nous, péchés nous devant bon Dieu avant même que nous procéder à la distribution des éléments. Et nous demander Jacques Nicolas Moïse capable de conduire nous en prière. Bon Dieu papa, nous remercions en pile pour grâce ou fait nous Seigneur, pour provision que vous avez fait pour nous. Merci bon papa que vous avez versé sang sur la croix du calvaire, que vous avez déchiré pour nous-mêmes. Mais à chaque fois Seigneur, vous avez quitté exemple ça pour nous capables Seigneur continuer le travail ou que vous avez quitté pour nous sur la terre. Qu'on y a mis nous après le participer Seigneur, pain qui présentait corps qui était crucifié pour nous et sang qui était coulé sur la croix pour nous, pour être capable de faire laver péché nous qui fait aujourd'hui à nous capables vivre pour nous connaître qui nous nourrit. N'a pas y participé que avant de monter, on te dit à chaque fois que n'a mangé pain ça, n'a boisson ça, c'est pour nous toujours songer la mort, pour nous repasser
soit souffri pour nous matin, Seigneur. Bénis-nous tout ensemble, fais-nous entrer dans le cœur nous, pour nous avoir conscience qui reprocher pour nous, qui côté nous camper, pour nous capables de vivre même au dernier jour, pour nous capables ensemble avec vous. Bénis payant pour nous, et sans Seigneur, bénis pour nous tout ensemble. C'est comme ça nous remercions, nous prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Pour faciliter la distribution, on a demandé si vous désirez pour participer ensemble avec nous, vous pouvez mettre au debout, vous pouvez recevoir les maillots. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de Christ, en mémoire de souffrance qu'il a endurée et en mémoire de corps qu'il a offert en sacrifice à la croix,
en nous manger pain ça ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » En mémoire de Christ qui t'est versé sans lit à la croix, pour te sauver nous, délivrer nous, racheter nous, et en nous boire, vin ça ensemble. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Joyeuse Pâques!